Salut les amis, bienvenue sur l'Origine. Aujourd'hui, un peu de fraîcheur, de pimenté, d'acidité, et tout cela avec de la mangue verte, une petite recette inspirée des vendeurs de rue Thaï, et c'est là que l'on trouve des meilleurs mets. Alors, si vous avez envie d'essayer, c'est par ici. Une bonne fois noire, de la mangue verte, vous avez deux possibilités. Soit de la mangue verte qui est un fruit à part entière, que l'on trouve dans des épiceries asiatiques. Dans le cas contraire, une mangue classique qui n'est pas mûre, qu'il faudra choisir bien ferme. Et c'est ce qu'on va utiliser pour la recette d'aujourd'hui. De la coriandre, du citron vert, de l'échalote, du piment, du sucre, des cacahuètes, de la sauce de poisson et des crevettes séchées. Pour les quantités, reportez-vous à la description. Nous, on y va pour la préparation. Nous allons commencer par détailler la mangue. Il y a deux façons de procéder. De manière traditionnelle, en entaillant la mangue et tranchée. Ou alors, détaillant en lamelles. Puis, couper en julienne. Ciseler l'échalote. La même chose pour un des piments. Pour le deuxième, épépiner. Et tailler aussi en julienne. Et pour terminer, effeuiller la coriandre. Ensuite, dans un saladier, y verser le sucre, la sauce de poisson. Bien dissoudre le sucre, le jus d'un demi-citron ou l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ajouter l'échalote, le piment, les cacahuètes, les crevettes séchées, la mangue verte et pour terminer, la coriandre. Bien mélanger, réajuster l'assaisonnement et il n'y a plus qu'à dresser. Et voilà, il n'y a pas plus simple. Alors, si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour plus de détails sur la recette, reportez-vous à la description. Moi, je vous dis à bientôt et bon appétit !